Bonjour à tous, David Fèvre, viticulteur ici à Belleval-sous-Châtillon, du champagne Herfèvre. Herfèvre puisque mon grand-père s'appelle Robert, donc je suis la troisième génération du champagne ici. On exploite ça un peu plus de 5 hectares de vignes ici. Alors le cépage de cœur pour moi c'est vraiment le meunier. Ici on a 80% meunier et eh bien je le répète souvent, quand on sait le travailler, quand on le brusque pas trop, quand on le respecte, il peut nous offrir d'excellentes choses. On a basculé depuis une dizaine d'années vers un virage de viticulture plutôt durable. On est actuellement en conversion vers la viticulture biologique. Et puis, on a basculé, on était auparavant en coopérative, on est basculé depuis 5 ans vers une indépendance totale, depuis donc la vendange 2017. Alors ici, on est dans la cave de l'exploitation. Ici, tout est stocké, j'irai à l'ancienne, en tas de bouteilles. Il y a nos 3 années de nouvelles cuvées, nouvelle aventure de terroir, je dirais. Ce qu'on a voulu, c'est surtout révéler le terroir de Belleval à travers une vinification parcellaire, puisque on a pris cette notion de vin très, très à cœur. Alors bien sûr qu'on fait du champagne, mais on est vigneron et avant tout, on fait du vin. Alors ici, on est dans notre salle de réception, donc qui a été créée il y a 4 ans, en même temps que le projet de création de cuvée de terroir. Et donc, je voulais vous présenter la cuvée Reflet Naturel, donc cuvée qui a été plébiscitée par le jury des jeunes talents du Champagne. Donc, c'est une cuvée 100% meunier. Et là, je suis assez fier. Effectivement, c'est mon premier exercice. Ma première vinification, donc c'est vraiment cette bouteille. Et puis là où je suis d'autant plus fier, c'est que c'est un 100% 2017. Alors moi, j'ai pas de slogan. Je considère vraiment que les meilleurs ambassadeurs de mon produit, c'est les utilisateurs. Donc c'est à vous de me le dire.